Et salut tout le monde, c'est Philo la Fontaine. Aujourd'hui, on va vous montrer comment aller dans le Nether. En premier, il faut des œufs de Nether, de l'âme. Je vais vous montrer. C'est juste comme ça. Et là, il faut juste les lancer pour un clic gauche. Et là, il faut juste les suivre. Et là, vous en faisiez beaucoup. Et là, vous allez juste venir ici. Là, vous suivez. Alors, il faut aller par là-bas. Et là, il faut aller par là. Et là, il faut aller ici. Là, il faudra creuser ici. Ben, j'ai déjà creusé. Et là, on est dans la fin. Là-bas, je pense que c'est doux. Alors, il faut aller par là-bas. Là, on va ici. Et, ouh, ici. Alors, il faut creuser. Ici. Et là, attends, je vais juste prendre une potion pour voir dans le noir. Là, bon, là, on est ici. Là, on. Bon. Et là, vous venez, puis là, c'est un genre de temple qu'il y a ici. Et là, il faut essayer de trouver un portail que je vais essayer de trouver avec vous. Ça sera la première fois de le trouver. Ben, si on trouve. Alors, ici, il faut que je casse la porte. Et ici, il n'y a rien. Et là, on ouvre bien. On va voir dans ce coffre s'il y a des choses. Ah non, je n'ai pas besoin. Ici. Là. Non. Ici. Non. Ici, non. Il est quand même très difficile à trouver. Et ici, c'est une grosse crevasse. Si vous voulez des armures et tout, ben, s'il y a une crevasse, vous pouvez aller là. Je pense que ici, c'est une partie. Et on va le regarder. Ici, c'est l'ordre des escaliers. Ici, il faut aller. Voilà, ici, c'est rien. Ici, il faut se mettre par là, pour vous monter là en bas. Il y a rien. Attends, oh non, il n'y a pas de ici. Wow! Oh, on a trouvé le Nether! Mais il faut juste mettre les œufs ici, comme ça. Et là, vous les entourez peut-être comme ça. Avec un clic gauche. Et là, le dernier, boum! Et regarde, ça va rentrer comme ça. Là, vous rentrez dedans. Ici, entrez dans le Nether. Et ici, le Nether a l'air comme ça. Il faut juste shooter tous les trucs comme ça. Et le Nether Dragon est là. Mais là, il va pas me faire mal parce que je suis créatif. Alors, pour le tuer, vous avez sûrement besoin d'une épée. En diamant comme ça. D'un arc avec des flèches, mais moi je suis créatif, alors il y a n'importe quoi. On a des flèches infinies. Et aussi, on a besoin de l'armure si vous êtes en survie. Et là, il faut juste prendre l'arc et essayer de shooter ces genres de trucs comme ça. Là, vous visez. Comme ça. Moi, je suis pas très bon à viser, mais. Si c'est l'under. Ouf. Sûrement, je pense qu'on peut le faire à l'épée en diamant. Comme ça. Et là, vous essayez de shooter tout. Et après, il faut battre l'Under Dragon. Tu peux aller au ressortir où il y a une forteresse qui est cachée quelque part.
Les seuls qui ont une underparm pour se téléporter là-bas. Et ce que je vais vous dire, c'est où. Donc, on y va aller là. Et là, il y a les cages. Alors, il faudra sûrement essayer de faire à l'arc. L'arc. Là, on va faire